dans la grange, sur le sol dur, bossué, battu. Le char dormait avec des rameaux de chêne cassés dans les joints de son bois boueux et fendu. La batteuse au ronflement qui s'enfle avait cessé de tourner au milieu des bœufs patients et des tas de débris minces se jonchaient la terre. Les poules du bon Dieu qui sont les hirondelles et qui avaient leur nid sur la poutre tombèrent. Alors deux métayers, longs et adroits, sautèrent sur d'autres et, avec des clous, fixèrent au plafond un morceau de fer blanc retroussé. Ils l'emplirent de paille et y mirent les petits tombés. Alors on vit la mère des petits oiseaux glisser craintivement dans l'azur en réseaux allongés. Peu à peu, elle arriva au nid. Je m'étais assis près des herses et du soc qui luit, et j'avais dans le cœur une tristesse tendre, comme si j'avais eu dans le fond de mon âme un rayon de soleil au vol un peu de cendre. Vers 8 petits cochons extrêmement si jolis qu'on eût pu les offrir à de petites filles. Ils n'avaient pas plus de 3 semaines. Ils luttaient entre eux, arc-boutés comme des chèvres, et leurs très petits pas étaient précipités. La trouée aux mamelles flasques et ridées, aux soies rudes, grenait vers le sol en bouée. La vie pauvre, par ce beau jour d'été, m'a paru revêtir toute sa dignité. Et lorsque sont passés, près de mon escabeau, les paysans tristes, silencieux et beaux, faisant rouler les roues dans l'ombre noire et fraîche, je ne leur ai rien dit et j'ai baissé la tête.